ואז זה הצידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו. Dieu est droit, il ne supporte pas des justes comme cela. Je vous rappelle, la semaine dernière, Abraham demande à Eliezer de se rendre sur le terroir de Haran, ne voulant point qu'une des damoiselles de Canaan en vienne à tomber amoureuse du fils tellement aimé, tellement chéri, mais tellement attendu, bien entendu, parce que les Cananéens, ce sont des idolâtres immoraux. Alors la question que vous posez, lorsque tu envoies Eliezer en terre de Haran, est-ce qu'à Haran, les idolâtres sont mieux? Oui, parce que ce sont des idolâtres moraux, dit-il. C'est le Midrash. La seule différence qu'il y a dans la volonté d'Abraham d'envoyer Eliezer vers Haran et de ne point prendre Dulciné sur le terroir de Canaan, c'est parce que les Cananéens sont des idolâtres immoraux, alors que les Araméens de Haran seraient plus morales. Et ici, la pointa, le point, il est significatif. C'est que l'Éternel ne supporte pas des justes immoraux. C'est clairement écrit et c'est significatif. Et si vous voulez, lorsque nous avons marié nos trois premiers enfants, lorsque mes filles m'ont présenté mes chatanim d'aujourd'hui, je n'ai pas cherché à savoir quelle était la quantité d'avoir qu'ils possédaient, mais quelle était la quantité d'être qu'ils étaient. Nous avons grandi, vous et moi, dans un pays qui nous a appris que le bien-être se partageait entre le bien et l'être, mais surtout en nous disant que si nous étions capables de conjuguer le verbe avoir, ça n'avait qu'une seule raison, c'est de pouvoir mieux être. Mais les Hébreux ne conjuguent pas avoir pour être. Ils conjuguent d'abord et avant tout le verbe être pour avoir, et leur premier avoir, ce sont leurs enfants, qui sont l'assurance de leur pérennité et de leur éternité.